Merci Seigneur. Are you standing firm in Christ? The very question que nous avons posée, elle est dite. Êtes-vous fermement debout en Christ? Vous voulez nous poser encore? Êtes-vous fermement debout en Christ? Je pose à la bonne question. M'a dit, est-ce que tu es vraiment debout en Jésus-Christ? Est-ce que tu es debout solide avant Dieu? C'est ça qu'il y a là, tu ne pas. Il y a là qui a dit, est-ce que tu es debout solide? Amen. Alléluia. Are you standing firm in Christ? Merci Seigneur. Il est important, alléluia, dans les derniers temps, nous qu'on vive là, nous qu'on vive en disant un temps que ton petit bon Dieu nous peut debout faire, debout solide. Amen. Marie-Réan fort. Alléluia, parce que les temps sont bien faciles. Alléluia. Les temps sont mauvais. Et il est pour autant que les enfants de Dieu, Marie, Réunion, qu'on passe comme une cause de cabinet, solide. Parce que déjà, il faut une solide en Jésus-Christ. On a d'abord une effet de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens 6. On veut se dire avant. Alléluia. Il faut tout. We can the whole armor of God that we may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Therefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil days, and having done all to stand. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir fermement après avoir tout surmonté. Alléluia. Seigneur, merci pour parole, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons que parole, Seigneur, c'est lui qui t'a éclairé nous. C'est lui qui lumière et la gloire qui t'a éclairé pour nous, pour exprimer nous. Seigneur, bénis chacun de nous. Et bénis tout, pour nous ça, pour vous faire. Femme en Christ. Papa, bénis chacun qui est ici. Je mets toutes tes paroles, Seigneur, en tout ce que nous, tout ce l'esprit nous, tout ce pensée nous. Et toutes tes paroles, par une force, nous disons, papa, force, la qui est nécessaire pour nous faire debout fort en Jésus-Christ. Papa, là, nous sommes ici, là, nous papa, le monde qui t'a tout dit, nous balotons à tout à tort. Nous ne pouvons pas être plus faibles en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donnez-nous et que tes paroles, Seigneur, en étant doucement, comme on était à double tranchant, qui t'a écouté, qui t'a écouté. Donnez-nous, Seigneur, et que tes paroles mènent guérisons de l'âme, et que tes paroles t'aient permis de nous de tout faire, dans ma vie, en Jésus. Amen. Alléluia.
mais du Seigneur. Le cas a dit, Paul, il y a un moment de prison, il parle Paul, c'est un homme qui prend prison pour la petite de Jésus-Christ. Et puis, Paul attend, Paul qui est en dedans prison, Paul fait cette expérience. Et je t'ai dit, comment il est, je remets à tout particulier. Et il t'a dit, et tu verras comment je te fais prendre son lieu pour mettre chaque mort une femme à l'œil. Et il marquait en bagaille dans la vie spirituelle, il est marqué que ce n'est pas bon pour toutes les marques qui n'ont pas pu protéger. Ce n'est pas bon pour tout ce qui est fait la guerre, qui est armé. D'ailleurs, c'est un chrétien qui a fait la guerre. Et on n'est pas armé quand on ne peut pas bien protéger quand on change bien. Ce n'est pas où qui peut porter un mort à eux. C'est l'autre monde qui peut porter. Et c'est plus important, lorsqu'on vient la guerre et où est, c'est où qui est le détruit. Je dis que vous qui en êtes plus loin dans la guerre, ça veut dire que vous n'y êtes pas. Si c'est vous qui êtes dans le bâton, si c'est vous qui êtes dans le bâton, si c'est votre bâton, ça veut dire que vous n'y êtes pas. Le bon sang, le bon sang, le bon sang. Donc, il est important, et c'est déjà dit, qui m'en est ce moment, c'est à dire que ça, moi, je suis un homme, et qui est important, et qui lui a dit, en position qui n'est pas autant. Donc, on va faire un oubli par le appelé cette position de la position de debout. Lorsque nous avons écrit êtes-vous fermement debout à Christ, c'est en position qui n'est pas autant de chaque côté. Position de goutte. Si le corps pas assez fort lors du goutte, il est là, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on est dans position faiblesse. Et pour un vrai, on passe à supporter des genoux, commencer à passer à supporter encore, ou en dedans, en position faiblesse. Christ, dans la parole de Dieu, nous avons passé une des têtes qui a parlé des positions debout dans le bon matin. Donc, Dieu a parlé en tant que chrétien, il faut que nous prenions cette position et celle de nous de debout. En ce moment, l'aîné est à reconnaître qu'il allait rentrer et dans les deux. Bien souvent, pour une protection, si maman n'est pas défaut, mettez-le dans les deux, il n'est pas tout seul. Mais tout le monde a resté, il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux, il y a tout à l'heure, il m'a tout, il y a tout le monde autour de lui, il y a rien qui pouvait lui rendre dans les mains, il y a marché, et il t'a gardé, et c'est pas où il y a des membres. Mais on a vu qu'il a décidé de tourner. Là où est-ce que tout le monde a dit, et dès que vous avez commencé à tourner toute seule, vous avez commencé à parler du petit attendu. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à tourner, vous avez commencé à dépenser. Parce que automatiquement, vous avez reconnaître, on est deux pieds, vous avez bougé et vous poussez là. Et vous avez compris que. Koto yi a ita vle wè ou, se vè li ta komanse travay pou kompan, de piye pasèk pou kouche, me de piye sèk pou mache. Di moumen ta komanse, e ale ta ipak, le yi komanse te, e yi ta wimake ke, la men pasèk pou mache, se de piye ki sèk pou mache. Di aske yi komanse, me se kwa yi pou bout, e ta komanse sèk ti pa. Si, pour l'être humain, et qu'à apprendre tout seul, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu,
chaque chrétien, chaque personne qui accepte Jésus, fait un effort pour nous être dépiénés et pour nous faire du il est important d'être à la dépiau. Je vois où il m'a fait partie, vous n'avez commencé par dépiau à Ogota. Pour chaque petit bout de moi, par ici. Il y a un petit bout de moi. Vous pouvez commencer, ouais, et dire, croissance. Ça va avoir plaisir. Un petit bout de moi, on va faire à tel temps. Comme un bâton. Il faut nous garder Paul qui a dit nous en bagaille là, dans l'évangile. Il dit nous, il est important pour nous revêtir les âmes. Après de pouvoir obtenir ce fermement contre la vie des hommes. Mais moi, j'ai une version en arrière parce qu'elle a dit au contraire. On lit pour éviter toute femme là, quand on est capable de foutre contre la vie des hommes. Et avant de ça. Quand une femme là pour être capable de foutre, en fait, lorsque les dégâts armés nous connaissons la vie du Amabel, et le porteur des âmes, je ne sais pas si vous voulez dire porter âme, on dit aujourd'hui, même Goliath et la Seigneur, vous pouvez dire porter âme et tout. Amen. Et lorsque ce homme dans la Pika mettait les âmes à l'aile, le droit mettait les âmes couchées, assises, vous allez mettre les âmes. Je vous dis, bien sûr. Mais c'est le petit bout là, amen. Position du bout, ça montre que vous parlez. Alléluia. Vous parlez, vous capable. Vous parlez. Vous parlez de la caronie. Ça va pas dire. Mais si, vous assis, comment il peut dire à Dieu? Vous pouvez, comment il peut dire à Dieu? Il faut mettre ton habitant en position. Amen. Le goût. À ton soldat, à la dépiau. Il faut nous faire une seule manière. Je veux dire. And people in the world have our better leader, the devil, to stand against the wiles of the devil. We can't talk that different. God wins your blood. Hallelujah. Did you know me know? But don't you guys, Papa, but tell me them what there is again. We do tell me them, Dominica, or Dubu, or Pier, Rassine, or Pier, Papa. Alléluia, le dépôt, où ça résiste. La vie chrétienne, c'est pas un avis à la rose, mais c'est un lutte. Alléluia, c'est un combat. On dit pour ça, Dieu nous goûte, pour ça combat. J'ai dit pour les nouveaux, baptisés, combat vient de commencer. Ma bataille dit, je n'ai jamais dit que vous n'allez pas avoir des problèmes, mais non, tout ça, dans mon parole, il n'y a pas de souci en crise, il n'y a pas de problème en crise, mais non, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des peurs, il y a des coups, alléluia, il y a des combats, il y a des blessures, alléluia! Mais surtout, Dieu promet que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et pour qu'il y ait un combat à tout seul, pour tout le monde. Et vous savez,
I'm going to go to the hospital.
On est toutes les âmes de Dieu parce que tu vois résister dans les mauvais jours. Alléluia. Pour ça, toutes ces femmes-là, il y a pour ça, il n'y a pas jamais qu'on ait pu sortir toutes celles qui parlent en mauvais jours. Non, on va pas faire ça. Non. Ou pour nous spirituellement. Quand nous pas chéver pour préparer nous. Tout bien nous parler pour nous prendre pour nous nourrir par nous. Tout ça, ou pas chéver qu'on a tout mis efficace. Tout ça, on m'a fait tout arriver. Aïe, c'est ma joie qui bagaille. C'est pas l'ennemi pour un moment, au cas où tu es critiqué. Alléluia! Au cas où l'ennemi tout bas est pour les belles, c'est pas l'ennemi pour les petits critiqués. C'est pas l'ennemi, alléluia! Au cas où il est pour les gens, au cas où l'ennemi pour tout ce qui est tout ça, mais pour tout ce qui est tout ça, c'est l'ennemi pour la vie, qui est pour tout, pour que vous connaissez, 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 pour que vous Thank you.
Le procès est un homme, un Jésus-Christ.
côté. Ou pas pour tout petit. Ou pas pour tout petit. Oui. Comme ça me dit. Je ne sais pas si tu es là. Il parle d'où comme ça là qu'on bébé, non? Il dit, soyez des hommes. Mais alléluia, rien de vous donner des pieds. Soyez fort, ça veut dire que tout mis ou j'appuie des pieds. Tout mis ou j'appuie des pieds. Alléluia, et tout ça, tout tout. Alléluia. Pour
jamais te mettre au monde qui pisse au partout. C'est vous qui faites partie de ce corps. Dis-le, il faut que même qu'à tout au Mais comme mon frère aussi, c'est pour garder nos affaires faciles. Dominion over your peace, but help us of your joy. You love to keep you and the choir. For by faith you stand, with the river. For by faith you stand, c'est par la foi que tout est tout. Vous savez, quand vous avez changé, portez-vous, que tout est tout en question. Et quand on est bien, on peut venir.
quand Dieu veut un coup de goutte, comment dire? C'est tout le côté de la foi. Donc, vous connaissez tout le côté, hein? Vous connaissez Dieu qui est au côté, quand on a la foi. Donc, on dit tout ça, c'est tout le goutte, quand on voit, la famille a rien qui s'est bougé. Alléluia. C'est moi qui vous en prie. Vous savez, vous avez la foi. Ça vous dit que vous avez deux gouttes à la fois. Deux gouttes à la fois. Il pense que tout le monde loue. Parce que c'est là qui va venir vers moi. Madame Baroïtien. Et ça, là, vous l'avez dit, non? Là, ça fait la foi. Ça haute, ça fait la foi. Vous avez deux gouttes à la fois. Il n'y a pas deux gouttes à tout la foi. Parce que Dieu ne nous pas pas de bout à tout la foi. Mais nous pas à la foi. On est moins de deux fois à venir. Donc, moins de deux. Oublie-nous à ce problème-là qui a venu vers moi. Dion, c'est vrai. Je ne sais pas si vous est dans l'un. Il prie fort. Après ça, qui Adam Mordor, nous sommes bien d'accord. Ça veut dire que ça a dit. Ça dit de moi. Après, il nous contient, souris la foi. Au cas où vous montrez là, dépassé. Il nous a dépassé. Ça veut dire que la foi a dépassé mon temps. Ça veut dire que la foi, plus puissante que mon temps. Si plus puissante que mon temps, il faut en bagaille plus fort parce qu'on va être parti. Donc la foi, plus lourd que mon temps là. Donc, là, tu goûtes à la fois. C'est ça qui te goûte. Alléluia. Oui. Quand tu as seulement qui te fait envahir ou battre qui te sent, et c'est son bien-aimé, et si tu goûtes à la fois, ça veut dire que tu goûtes à ton bien-aimé, et c'est son bien-aimé. Oui. Alléluia. Tu ne vas pas quoi? Nous partons parce que nous parlons de but à la foi. Du but à la foi, c'est un racine. En parlant de ce qui est pris à ce contrôle-là. Le pire de but, c'est un racine. C'est un racine. C'est un racine. C'est un I'm going to go to the house. Et ça dit, oui, oui, oui. Le papa est ici, mais le père est ici. Pourquoi il dit que quand on est donc il peut être sur le roi, il faut être soufflé, vous êtes en top de la cabine. Aujourd'hui, moi qui m'en ai donné, ça fait la nous fonder en Jésus-Christ. Vous connaissez cette maison. Les visites comme instruction, et bien comme enseignement. Il y a un professeur initié, chapitre 15, qui va dire et puis donc, frère, généraux, femmes, et retenez-vous les instructions que vous avez reçues. Soit à notre
Amen. Soit par notre lettre. Vous savez? Et nous, par exemple, nous, par exemple, qui nous consacre, nous, les poussières, c'est et puis, les épites, comme on traduit, et à votre tradition. Vous savez, moi, qui n'est pas dit, c'est ça. On va déjà, et là, Il a répété, Aïe, aïe, aïe,
moi-même. Non. Mais donc, le monde va se détruire sur vos prix, sérieux, parce que c'est ici la vie criolité. Vous connaissez pas bien? Je vous connais. Et là où il dit, je vous connais, c'est ici. Et même l'église, partout, c'est créole. Et je vous là, c'est créole. Il fait tout créole. Manger créole. Parler créole. Chanter créole. Habiller créole. Tout ça, c'est pas créole au Cameroun. Donc, qui n'est pas le Cameroun. Amen, alléluia. Eh bien oui, ça le dit au cas où tu t'es ouvert. Même Manicou, tout partout. Manicou, oui, c'est ça qui est là. Manicou, l'Ambiné, et puis l'Amori, tout ce qui est bataille. En l'an, l'ami de l'homme est de l'eau. Est-ce que ça, je vais te dire que c'est Manicou de l'Ambiné? Alléluia. Mais tu vas pas être là. Voilà, c'est ça. Mais je vous crois, je vais pas garder tout le bouillot. Amen. Et je vais pas dire dans les créoles tout à fait. Mais ma mère est pour Dieu, lorsque nous connaissons pour Dieu, nous connaissons, après que nous bouillons, nous connaissons nous, tout ça nous dit, que c'est ça. C'est pas comme ça, mon Dieu. Donc, il dit, pas de personnes qui sont liées, il y a des gens qui sont liées. Restons dans l'unité de l'esprit. Comment nous parlons si on nous marche en l'esprit, on nous marche en l'unité, on nous donne l'unité à parmi nous. Mais plus nous prie, plus nous dit combat. Pourquoi tenez-vous? Pourquoi plus nous dit, plus nous combat? Parce que nous parlons d'être même bâtiment. Nous parlons de tout à l'unité de l'esprit. Alléluia. L'unité de l'esprit, dis-nous. Comment d'une même âme pour la foi de l'évangile. Oui, oui, oui. Comment d'une même âme pour la foi de l'évangile. Est-ce que nous ne pouvons pas de plus près? Ça veut dire que nous nous pouvons. Ça veut dire parce que l'Église doit être bonne. Amen, alléluia. Bon Dieu, Paul, autant de monde qui l'a mis, mais nous, à mettre nous ensemble, nous venions dans le combat. Bon Dieu, nous pouvons être bien, mon Dieu. Tout ça, qui fait de la délivrance difficile, lorsque nous venons, nous pas bien. Donc, si ça fait rien, on fait blesser là. Ça prend force. Si ça fait venir, c'est un cas à faire une table. C'est un cas à faire une table. C'est pas là, pas rien qui fait avec ça. C'est pas là, regardez, il qui et bien, nous la capouillons, et bien, nous voulons prendre des livres. Tout ça pour qu'il nous va avoir aïe, on a bien dit aïe, parce que l'Église là, parce que l'unité de l'Esprit, nous ne parlons pas même aïe. Nous parlons, nous, divisés. Et toute ça qui est divisé, c'est confusion. Toute confusion, c'est division. Et toute division, parmi l'unité. Donc, nous ne pouvons pas faire ça. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Et pour l'instant, si vous êtes unis à même âme, je l'ai dit, je ne suis pas là. Et donc, pour moi, c'est l'un, et ça peut être qu'il va être mieux pour le monde qui est là. Comment
Donc regardez du bout. Alléluia. Donc en l'idée, c'est rapidement. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1, verset 27. Ézéchiel 1, à partir du verset 27. Verset 27, jusqu'à 28, et chapitre 2, verset 1 à 2. Lisez rapidement. Et après, nous rappelons par l'heure 1, verset 5. Je vis encore comme de l'esprit poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Quel aspect de l'âme qui est dans la nuit, en deux jours de pluie, était. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. De la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sous ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel 2, versets 1 et 2. Il me dit : Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Amen, alléluia. Alléluia. Comme si tu es mort, les magasins étaient tout bout. Et tu dis, j'étais hors du bout, tout et puis dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Mon Dieu n'est pas le bas. Parce que sous ma position bébé, comment on va te comprendre? Alléluia. Et oui, Seigneur. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Daniel 2, verset 5. La position de tout ça nous trouvait, alléluia, standing for the readiness to serve. Démontre un volonté de servir. Une volonté de servir. Est-ce qu'on comprend ça? Je m'en vais pour ça. Alléluia. Qu'est-ce que vous démontrez? Démontre une volonté de servir. Est-ce qu'on comprend? Standing for a readiness to serve. L'envoi ou du bout, ou comme moutoué aussi, pas notamment par le bouton, pas non, mais ou capable de servir. D'accord. Il faut comprendre, voilà, il faut voulait que ces noms-là mangent, nourrissent et prennent du bout. Donc, qui peut se lever? Qui peut se lever? Nous, comme des bouts de vin. Par l'histoire? C'est pas ça? Qui peut se lever? Qui peut se lever? Comme des bouts. Et pourquoi on parle de bouts? Vous pensez que vous allez parler de bouts de vin là avant? Quand c'est bien? Non. Vous êtes en position de. Alléluia. Quand on a fait 1 000 euros, on parlait pour faire des nations. On connaît
Thank you.
Alléluia. C'est tout en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que personne me dit? Est-ce que personne me fait le Dieu? Alléluia. It represents our stability in Christ. Alléluia. C'est pour votre santé. C'est pour nous tenir en Christ. Pour le Dieu Dieu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, étant enraciné et fondé en lui, et confirmé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et enfondé en action de grâce. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Tu peux pas marcher. Tu peux pas marcher. Ça veut dire que tout côté ou un Jésus, ou à l'église là ou un Jésus, ou caillou ou un Jésus, ou à travail là ou un Jésus, tu es dans, à l'école, tu es un Jésus. Alléluia, c'est pas amen. Je suis à l'église, je suis une chrétienne, et à l'école, alléluia, je suis moi. Alléluia, avec Jésus, moi. Avec lui, je suis chrétien. Vous savez, la balle. Maman dit bonjour bien. Vous voulez vous faire une justification? Amen, alléluia. Avec lui, nous avons entendu. Amen, alléluia. Avec lui, est-ce que ça concerne sur nous? Est-ce que dans l'église, ça concerne sur nous? Est-ce que dans l'éducation, ça concerne sur nous? Amen, alléluia. Alléluia.
Est-ce que je peux être en Jésus? Alléluia. Amen, alléluia. Vous avez ça? Après les instructions que vous avez été, exactement, on a fondé. C'est par parole-là qu'elle a été fondée. Mais si vous parlez de la parole à parler, est-ce qu'on a fondé? La parole a prêché à Coupala, est-ce qu'on a fait la vie? La parole a prêché à Coupala, attention, est-ce qu'on a fait la vie? When we have fully equipped ourselves for the battle, then we can say we stand in faith in Christ. Lorsque nous sommes totalement équipés pour la bataille, nous pouvons alors affirmer que nous demeurons fermes en Christ. Alléluia! Ne vous pas équipé comme nous demeurer fermes. Non. Élisée chapitre 6, verset 13. Alléluia! Qui va dire? C'est pourquoi? Prenez toutes les hommes de Dieu à faire. De pouvoir résister au temps. Aïe, aïe, aïe. Comment on résister? Ainsi? Vous savez, vous capotez, vous capotez. Parce que la mise du mot, je vais vous dire, maman, c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes enfants, il faut nous utiliser comme nous, en Jésus. Pas comme ça. Et quand on est venu, maman, on peut arriver. Le diable, ma petite sœur, le diable ne regarde pas en vrai ta maman est fervente. Elle fait beaucoup de choses pour le Seigneur à l'église. En vrai, ton papa, quand tu viens la prière, fait beaucoup d'équipes à l'église. Je vais le respecter, le petit frère, parce que, ah oui, ton papa est très gentil. C'est ça même, il va se négocier. Nous, il faut passer petit pour petit. Parce que pourquoi? Ta maman et ton papa les aiment. Alléluia. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Enseigner en Christ. Marcher en Jésus. Parce que si le diable de temps a fait faute, attaquer le frère Daniel, attaquer le frère Daniel, attaquer ta maman, et ta maman avec un autre petit. Ah ouais, ma, mon papa, il a tombé de poil. Il s'est prié. Je n'ai pas de la police. Mais c'est pas ça, non. Oh, oh! Pas de la police! Comment tu fais? Je suis mec à l'évangile. Tu obéis la parole que tu as entendue. Qui essaie de tout céder? Mais comme tu ne peux plus. Ça veut dire que si ta maman est confiée en Christ, il faut faire la vie confiée de ta maman. Alléluia. Alléluia. Et là, tu peux défendre ta maman. Tu peux prier même quand tu as ton papa et la tête pour elle. On est en Jésus. Alléluia. Et oui, mais ce n'est pas de garder nos limites. Il y a quand même des femmes nous à nous dire par ailleurs. C'est alléluia. 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 Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les frais dans la vie du malade. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. La parole de Dieu. En tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez en cela avec une entière persévérance de prier pour tous les saints. Est-ce qu'on va donner tout temps, mais pas pour tout ça pour nous faire, pour nous surmonter le patin à beaucoup de fois pour tout faire. Vous regardez, l'on prend tout, il faut faire beaucoup de temps, et ça dépend encore. Je vais vous montrer. Mais c'est ce qu'on a dit tout. Nous pouvons tout être. Pour notre prière. Nous avons trouvé la tête de notre santé. Nous pouvons vraiment bien en assurer dans cette grâce. Alléluia. Notre prière. Dans vos yeux et sur sa hauteur. Non. Et de Dieu nous donner pour accès au cœur. Et de Dieu, en plus. Alléluia. Nous avons notre Christ, Jésus. Sauveur de l'unité, de l'humanité. Sauveur, notre Sauveur. Quand tu as créé le ciel et la terre. Voilà, tu nous as créé. Seigneur, nous sommes debout devant la gloire. Et nous comprenons que je suis debout seul. Papa, ma maman est au bon matin. Si tu es sûr que tu es toujours pour connaître ta faiblesse. Papa, le meilleur problème est entre nous. Et quand on a notre facteur pour le début, nous n'y avons rien plus, nous n'y avons rien plus, nous n'y avons rien plus. Nous devons être entendu que nous n'y avons rien plus, et qu'à tout début, nous n'y avons rien plus. Mais papa, nous tout ce qui nous fait transformer en fond. Et tout ce qui nous transforme, et tout ce qui nous baptise en plus, et de nous avoir un peu plus. Nous avons baptisé pour former un seul corps de Jésus. Papa, autant que tu as tout été dans notre capacité d'être un seul corps, bien débuté en Jésus-Christ. Quel que soit côté de nous, quel que soit l'état de nous, faiblesse, difficulté, aidez-nous au matin. Bénissez-nous au matin, papa. Et dans notre capacité d'être debout quand on homme fort. Bien enraciné, bien fondé, habitant par l'eau, bien calmé par la bonté, et marché avec l'évangile de Dieu. Aidez-nous, Seigneur, pour nous apprendre toutes ces âmes, pour nous appuyer comme nous, pour nous capables de vivre, pour donner-nous des négligences, nous. Pardonnez-nous de pécher nous, pardonnez-nous de faute nous, pardonnez-nous de manquement nous. Et papa, donne-nous la force encore de nous sentir debout et de nous faire combattre. Sanctifie chaque nuit de notre vie. Agis dans la vie sainte de Dieu. Puisque chacun de nous est papa, nous t'aiguons de tes dents pour notre éternité. Et dans l'endroit où tout le monde est, nous sommes tous les deux encore. Et pour quelqu'un qui a côté de nous, nous allons représenter Jésus. Nous allons représenter Christ. Après le Père,
et tout doute avec un bon Dieu pour vous être la vie. Aidez-nous à pardon Dieu pour nous déclencher, bien fondé, à la foi, à parole. Que nous debout si fort et Jésus-Christ, debout, en flûte, pour l'esprit, que nous nous combattons, nous-mêmes, passons-nous, par-nous, les esprits que vous nous déclinez. Papa, nous t'aille pas dit, l'ennemi, c'est nous, c'est l'ennemi, nous. L'ennemi, parmi nous, c'est l'ennemi, nous. On nomme les nous-mêmes l'ennemi, Satan le diable. L'ennemi en Jésus, c'est l'ennemi nous. Et avec Camille en Jésus, c'est à nous. Papa, donne-nous. Et soit pour nous, Seigneur. Donne-nous grâce pour ça qui est tout. Et permettons de dégoûter et faire en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur, merci Seigneur. Alléluia.